Cher public, je suis ravi de vous accueillir pour la 32e édition du festival du court-métrage de Vélizy-Villacoublay. Quand même. C'est toujours un plaisir de voir une salle pleine et de voir la curiosité des gens qui viennent accueillir des œuvres de gens qui commencent. C'est formidable d'être ici pour un festival du court-métrage, car c'est des nouveaux talents que nous allons découvrir et que nous allons primer. Sans dix voix, on récompense ce soir pile poil Dimitri Fuller et Lauriane Escaffre. Voilà, le maire vous remet. Alors c'est un souvenir encadré. On est ravis. On est hyper content. Le prix du public, c'est le meilleur. Alors, je me posais la question, je me dis, tiens, est-ce qu'on fait les films pour le public? Bah oui. Et moi je dirais pas que. Je crois qu'on les fait. Alors oui, on les fait pour le public, mais pas que. On a envie d'exprimer quelque chose. Et quand justement ça touche le public et il y a connexion et ça a été compris, etc. On se dit, c'est génial, quoi. Et là, apparemment, ça a touché les gens et ça a plu. On a vu. Ouais. Donc on est plus qu'heureux, quoi. Ouais, on est super heureux. Ouais. Ouais, c'est génial. Vive Vélizy. Ouais. D'autres projets? On aimerait bien passer au long métrage. Et oui. Ouais. Donc on a ça en projet, de développer ce court métrage là en long métrage. Ouais. On a même déjà trouvé un producteur, pour tout vous dire. D'accord, ok. Donc voilà, on espère que l'histoire, l'aventure va continuer. Donc rendez-vous dans les salles alors. Ouais, exactement. Exactement. Merci. Merci à toi. Son originalité aussi, le scénario nous a beaucoup plu, il y a une vraie grammaire de réalisation, comme on dit dans le jargon, et voilà, allez-y. Bon, merci beaucoup, j'imagine que ça ne devait pas être simple parce que c'est un festival très éclectique, avec des films de tout genre. Il y avait vraiment beaucoup de merveilles, on a passé une très très bonne soirée, et franchement, c'était très difficile de choisir. En fait, on a toujours l'impression de punir les autres. Quoi. On a envie de dire aux autres bravo. À tous. D'ailleurs, tous ceux qui sont là et qui sont en compétition, on les applaudit très fort. Je pense que le palmarès 2019 est tout à fait juste parce qu'il récompense la variété du court-métrage. Alors bien sûr, on pourrait parler des longs. Là, c'est un festival de courts. Alors on a récompensé une fiction sociétale, comique, qui s'appelle Pile Poil, qui glane les prix partout où il est présenté, le film. Et puis, il y a un prix du jury qui aimait Pile Poil, mais qui a adoré le travail d'animation. Et l'animation fait partie, comme tous les genres, du cinéma court, du court-métrage. Et donc, je suis très content que ce soir, on ait un palmarès très court, il y a deux prix, mais qui récompense la fiction et qui récompense l'animation. Et comme les trois créateurs de ces deux films étaient présents, je suis ravi que ces deux films aient été primés ce soir. Le public a bon goût, le jury aussi, et ça permet de continuer à sélectionner. Alors cette année, 802 films inscrits, c'est vous dire la complexité de la sélection et la complexité après du choix du public et du jury pour sélectionner un prix sur 14 films hier et 15 films ce soir. Donc je suis ravi de cette sélection et je vous donne rendez-vous en 2020 pour le 33e festival du court-métrage de Vélizy. Merci Vélizy TV.